Alors ça, par ma casquette, mais c'est mon ami Pepper. Écoute, j'ai deux nouvelles. Une bonne et une bonne. Laquelle veux-tu entendre d'abord? La bonne. Tu voulais une nouvelle maison, n'est-ce pas? Eh bien, toute l'île Lego va t'y aider. Oui, chacun de nos bons citoyens te donnera une brique, mais à une condition. Tu dois livrer les pizzas de papa à tous les habitants de l'île. Bonne chance. Eh ben, dis donc. Je veux dire, super. Au boulot! Bonjour Madame Post, votre Margarita est sur le dessus de la pile. Ah, désolé, il faut que je file, les pizzas vont refroidir. Alors je ne te retiens pas, je dirai à Ed de t'apporter tes briques. Salut les bricolini pour moi et dis-leur de passer me voir. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas bavardé un moment avec eux. Tu y penseras, n'est-ce pas, Pepper? Sans faute, Madame Post. Hé, hey, ça me réchauffe le cœur de te voir. À moins que ce soit le four. Tiens, prends ces briques. Bonjour Jack, des occasions en or aujourd'hui? Non Pepper, mais j'attends une livraison. Peut-être cet après-midi et sûrement demain. Comment ça va, Pepper? J'en mangerai bien, mais je crois qu'elle n'est pas pour moi. Comment ça va, Pepper? Salut, Laura. Je vais dire, officier Laura Brick. Merci, Pepper. Je vois que toi aussi, tu es un homme de pizza. Je veux dire, de devoir. Protéger et servir la pizza, tel est ton devoir. Prends ces briques. Thank you.
Salut, Lucas. Officier Lucas. Bonjour, mon cher Pepper. Comment vas-tu? Honneur, devoir et sauce pizza. Merci bien. Et voici mes briques. Nathalie, voilà ta pizza. Merci, Pepper. Pose-la donc sur le banc. Honneur réparation est de retour avec des briques pour toi. Hello Valérie, devine qui voilà. Ouf, Pepper, j'allais mourir de faim. Je revis. Et une pizza pour le docteur Clickit. Une bonne pizza. Rien de tel pour soigner les petites déprimes passagères. Prends ces briques et appelle-moi demain matin. Et comment va, mon petit livreur? J'espère que tu ne laisses pas tes pizzas refroidir. Bonjour, Pepper. Toujours à courir les rues? Thank you.
Salut Pepper, tu as l'air bien pressé. Le roi de la pizza. Et Pepper est avec nous dans le studio. Il est aussi cool que ses pizzas. Il a bien mérité ses briques. Et voilà pour toi, Pepper. Voici Pepper, le livreur de pizza le plus rapide de l'Ouest. Je veux bien te croire. Je viens à peine de la commander. Ah oui, j'ai tout un stock de briques pour ta maison, Pepper. J'espère qu'elles te plairont. Comment ça va, petit? Et comment va, mon petit livreur? J'espère que tu me laisses. Wow!
qui entre dans la dernière ligne droite. Alors, ta dernière course, raconte. Pas terrible, terrible, j'ai fini dernière. Mais j'avais dansé toute la nuit la veille, alors bon, c'est de ma faute, tu vois. La prochaine fois, j'irai danser après, en espérant que ce sera pour célébrer ma victoire. Richard, je te salue. T'es bien le plus vénard de tous les Malabar. Salut à toi, Pepper. Je suis peut-être venu. Et permets-moi de te... Et comment va ? Salut Bob, voilà tes pizzas. Pepper, super. Des pizzas, encore mieux. Prends ces briques pour ta peine. Allô? Mon cher petit Pepper, tu as vraiment fait un travail splendissimo hier soir. Magnifico. Ouais. Autre chose pour votre service, Papa Bricolini? Juste une toute petite pizza de rien du tout à livrer. Passe à la pizzeria, ok? Pas de problème. Le roi de la pizza est déjà en route. Perfetto, mon garçon. Ah, te voilà, Pepper. Voilà qui est génial, comme tu dis. Tu m'as livré cette pizza toute chaude à Casbrick, en prison. Ouh là là, ça va chauffer.
tant que ça. Je n'ai mis qu'un seul pimenté. Mon loup, ce n'est pas une de ces pizzas de papa super extra pimenté qui brûle tout sur le passage. Non, c'est une pizza douce, puisqu'elle est pour casse-brique. Fais bien attention. Oui, Mama Bricolini. Cette fois, il ne mourra pas. Et n'oublie pas de les faire payer. Et de sourire pour les pourvoir, hein? On dirait que le rata du jour est plutôt une pizza. Passe la pizza prompto, Pepper, et essaie de dire ça très vite, 5 fois de suite. Casse-brique avait la dalle. Ça ne te fait pas rire? Brique, dalle. Très drôle, mais n'essaie pas de faire le malin. Un seul piment, hein? Ça, c'est drôle. Mais ça ne va pas le rester très longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. C'est qu'il ne me manquait plus qu'un petit piment pour concocter ma potion souffle du dragon. Je vois pas où tu veux en venir. Tu ne vas pas tarder à comprendre. Une pincée de poivre blanc, un petit anchois, une louche de ci, de ça, et voilà. Attention, voilà le souffle du dragon. Ah non! À bientôt, les amis. Hé! Attends! T'as pas payé ta pizza! Pourquoi? Casse-brique vous tire sa révérence, tête de nœud. La constructopédia est à moi. Et tout à moi. À moi, rien qu'à moi. C'est horrible! Horreur et putréfaction, malheur à nous tous. C'est un triste jour pour l'île Lego. Pas du tout, c'est un jour superbe. J'attends les rubriques de gel de pied ferme.
Il nous faut un héros vif, malin, courageux, honnête et respectueux pour sauver notre île du désastre. Pepper, à quoi tu joues? Au héros? Ça suffira. Voilà notre mission. Premièrement, retrouver les pages disparues. Deuxièmement, reconstruire l'île. Troisièmement, te tenir prêt. Et quatrièmement, y aller. Attention aux rubriques. Tu dois retrouver les pages de la Constructopédia, Pepper. Elles sont dispersées dans toute l'île. Les pages de la Constructopédia. Okay.
jeu que tu peux arrêter les rubriques. Mets-le. Arrête les rubriques et attrape leur tête. Vite, Pepper, prends la tête des rubriques. Elles seront utiles pour reconstruire l'ordinateur central. Vite, Pepper, va au centre d'œuf. J'ai besoin de ton aide pour les têtes de rubrique. Appuie sur les touches de ton clavier pour assommer les rubriques. Attention, je suis là. Hop, t'y retournes. Hop, t'y retournes. Aïe, pardon. Hop, t'y retournes. Aïe, pardon. Quelques bosses, l'ordinateur aussi, mais globalement, tout va bien.
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Appel catastrophe de l'île Cassel. Erreur fatale. Casse-brique a détruit le pont. La mauvaise nouvelle, c'est que Casse-brique a quitté l'île Lego. La bonne nouvelle, c'est que nous savons où il se trouve. Il est sur l'île Cassel. Rattrapons-le! Il me doit une pizza! De plus, maintenant qu'il a détruit le pont entre les deux châteaux, les deux camps voisins ne peuvent plus se battre! C'est affreux! Tout à fait! Il faut que quelqu'un demande un bateau au rescue, se rende à l'île Cassel au plus vite et répare le pont encore plus vite! C'est dans mes cordes! Alors, vite! Au rescue! We'll be right back.